Marceau. Radio X. 8h28 live à radiox.com pour nous joindre en studio. S'il se passe quelque chose sur la route, on veut en être informé. S'il reste des radars, c'est radar à radiox.com. 670-9098 1877-440-2464. C'est pour nous joindre en studio. Passons maintenant à la chronique insolite de Christian Page. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. ChristianPage.ca pour plus de détails. Salut Christian! Salut Marceau. Comment vas-tu? Ben écoute, je vais prendre cette habitude-là. Je vois que tous tes autres chroniqueurs s'appellent tous Marceau. Ben oui. Ah ben, ça va bien Marceau. Je pourrais t'appeler juste R. Ben oui. Le R, c'était pourquoi déjà, hein? Ben oui, parce que c'est amusant que tu poses cette question-là. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que les gens me posent cette question-là. En fait, c'est presque une blague. C'est lorsque je me suis inscrit à l'Union des artistes, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, il y avait déjà un scénariste qui s'appelait Christian Page. Ah. Alors là, l'Union des artistes m'ont proposé de soit changer de nom, utiliser un nom de baptême, et on est tous nés avec trois noms, hein, notre prénom usuel, généralement le prénom de notre parrain, du moins ceux qui ont été baptisés là, dans l'obédience catholique, donc notre prénom usuel, prénom du parrain, et Joseph pour les garçons, Marie pour les filles. Comme Robert était le nom de mon parrain, j'ai utilisé Christian Robert Page pour faire une distinction. Mais comme l'autre Christian Page, visiblement, est disparu de la map. Il est mort. Je sais pas. J'ai pas entendu parler de lui. Fait que là, donc, l'utilisation du Robert est devenue un peu futile. Fait que t'as repris ta place. Ben oui, c'est ça. Tu vois, au secondaire, j'avais une professeure d'école pendant à peu près 6-7 mois. C'était la professeure de musique. Et devine comment elle s'appelait? Quelle est la meilleure chanteuse au monde? La meilleure chanteuse au monde. Voilà, arrive-moi pas avec Britney Spears, là, Christian. Non, tu vas me dire Céline Dion. Céline Dion. Ma professeure de musique s'appelait Céline Dion et elle aussi est inscrite à l'Union des artistes. Et à ce moment-là, quand j'étais au secondaire, je pense que secondaire 1 peut-être, Céline Dion faisait la publicité de Chrysler. OK. Et Céline Dion, la chanteuse, bien entendu. Et ouais. C'est ma professeure de musique qui a reçu le chèque de Chrysler à sa résidence. Oui. Bon. Ça lui a donné l'occasion de parler avec Céline Dion à ce moment-là, ce qu'on me dit. Et elle a probablement souhaité conserver son nom de Céline Dion. Oui, ben oui, mais en même temps, ça peut occasionner certains problèmes. Là. Je veux dire, t'appelles dans un restaurant pour une réservation. C'est à quel nom, Céline Dion? Ouais, mais c'est à quel nom? Ben, je vous le dis, c'est mon vrai nom. Oui, mais bon, c'est quand même des homonymes. Il y en a quand même beaucoup, là, des gens qui ont des homonymes de célébrités, là. Oui, effectivement. All right, chronique insolite, on parle du 11 septembre 2001, un nouveau document. Je vais faire une entorse parce que lorsqu'il est question de parler de... Bon, j'aime bien parler des conspirations, tout ce qui est un peu bizarre, ouais. Mais je me suis fait une règle de ne jamais parler du 11 septembre et des chemtrails. Et pourquoi je refuse de parler de ça? Parce que ce sont deux sujets, les chemtrails, Marceau, ce sont des traînées que laisseraient des avions. Bon, on a tous vu des avions qui laissent des traînées de condensation dans l'air. Ouais. Ce sont des traînées de gaz. Mais il y a toute une dynamique dans l'univers des conspirationnistes qui croient que dans certains cas, ces gaz que laisseraient échapper les avions, ce ne serait pas simplement des traînées de condensation, mais des traînées d'un gaz volontairement vaporisé pour contrôler les populations, pour rendre malades des populations, pour rendre stériles des populations. Donc, tu peux t'imaginer à peu près tous les scénarios. Et ça, eux appellent ça les chemtrails, qui est un combiné du mot chemical trail, chemtrail. Bon, et le 11 septembre, pourquoi je refuse de parler de ces sujets-là? Parce que ce sont des sujets qui sont devenus excessivement émotifs. Il n'est plus possible de parler de ces sujets-là sans avoir un échange sain. Hein, moi, à toutes les fois que j'ai abordé en ondes à la radio, que ce soit à Montréal, à Québec, le 11 septembre ou les chemtrails, écoute, le fait de dire que t'es pas d'accord avec l'idée du complot, je recevais des courriels, même vraiment des courriels qui étaient orduriers et même dans certains cas appelés à la violence. Hein. Je vais vous attendre à la sortie de la station, mais vous crissez une volée. C'est aussi simple que ça, là. OK, ben tu vois, moi, depuis nos chroniques ensemble, quand tu nous parles de trucs du genre, effectivement, j'ai constaté que j'avais des courriels particuliers, mais jamais aucune menace, mais en résumé, c'est que nous, on ne comprenait pas ce que c'était que le système. C'est ça. Donc, on devient un peu comme les rouages dans la mécanique du complot. Oui. On est nous-mêmes des rouages dans ce complot-là. C'est nous, ça.
Ouais, voilà. Et là, malheureusement, encore une fois, ça fera pas plaisir aux conspirationnistes, parce que là, on vient d'apprendre, il y a quelques jours, ça nous est venu par John Brennan, qui est le directeur de la CIA. Brennan a annoncé qu'il y avait un document de 28 pages qui avait été, en fait, gardé sous silence, et ce, depuis les attentats du 11 septembre. Et ce document-là, bien évidemment, tu comprendras que les amateurs, dès qu'on a parlé de l'existence de ce document top secret, tu comprends que les amateurs de complot ont dit « Ah, voilà, on vous l'avait dit, on nous a pas tout dit, on nous cache des choses, etc., etc. » Sauf que depuis les derniers jours, ce fameux document de 28 pages est devenu, en fait, un secret de polichinelle. Et maintenant, ce que l'on sait du contenu de ce document-là, c'est que malheureusement, pour les amateurs de complot, ils ne prouvent pas qu'il y a eu un « inside job », donc un travail de l'intérieur où les autorités américaines auraient volontairement détruit le World Trade Center et tout ça. J'ai même entendu des théories du complot qui parlaient que les avions étaient des hologrammes qu'on avait lancés contre les tours du World Trade Center. Non, le document dont je te parle, en fait, a été placé sous séquestre en décembre 2002. Ouais. C'était à la demande des autorités américaines. Il faut se rappeler que lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, 19 des pirates de l'air, sur les 19 pirates de l'air, il y en avait 15 qui étaient des Saoudiens, donc de l'Arabie Saoudite. Et évidemment, tous ces gens-là étaient liés à Al-Qaïda. Mais comme un aussi grand nombre de pirates de l'air étaient Saoudiens, les autorités américaines se sont posé la question, est-ce que l'Arabie Saoudite aurait pas quelque part, à travers son ambassade, favorisé, en fait, l'intégration en territoire américain de ces pirates de l'air? Et le gouvernement, les services de renseignement américains avaient demandé une investigation là-dessus. Et en décembre 2002, ils étaient arrivés, en fait, il y avait une ambivalence. On n'arrivait pas à infirmer ou confirmer que les autorités saoudiennes avaient aidé les pirates de l'air. Et à ce moment-là, le président George W. Bush avait décidé de retirer ce document-là des documents officiels en disant, écoutez, si éventuellement ce document devait être connu et que les autorités saoudiennes venaient à apprendre qu'on les a suspectés, à tort ou à raison, mais qu'on les a suspectés quand même d'avoir pris part au complot, aux attentats, ça risquerait d'envenimer les relations entre les deux pays. Ça a été une sage décision parce que officiellement, parce que là, je sais, il y a toute une dynamique politique, là, mais officiellement, les autorités saoudiennes, apparemment, n'ont pas participé, n'ont pas favorisé l'implantation de ces terroristes en territoire américain en 2001. Cela étant dit, ce document-là, ce qu'il nous montre, c'est que il n'y a pas eu d'avion hologramme, il n'y a pas eu une job de bras à l'interne. Tu sais, ce document-là montre bien que dès le début, les recherches des autorités américaines étaient tournées vers Al-Qaïda, Oussama Ben Laden et toutes les. En fait, ça résonne avec la vision officielle que les autorités américaines ont donnée pour expliquer les attentats du 11 septembre. Donc, pas d'arcane mystérieuse au sein du gouvernement, pas d'agents de la CIA déguisés en barbus pour aller mettre des bombes dans le World Trade Center, pas de missiles sur le Pentagone et pas, bien sûr, d'avions hologrammes lancés contre le World Trade Center, et ça au nom de la triade juive, des Illuminati ou même des extraterrestres. Mais il n'y a rien de ça. Je veux pas faire l'avocat du diable, bien entendu, avec toi, parce que je suis persuadé que tout ce que tu nous dis, c'est exactement la réalité. Mais il y a des choses quand même qui sont particulières. T'sais, d'avoir retrouvé le passeport d'un des présumés terroristes dans t'as les... T'as tout à fait raison, Marceau. Dans les sangles. T'as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut faire attention entre ne pas tout dire, ouais, manipuler l'information et ensuite de ça, aller vers le complot. Tu comprends? Ouais. Donc, moi aussi, je me dis, bon... le fait qu'on nous ait dit qu'on a trouvé le passeport d'un des pirates de l'air dans les débris du World Trade Center, ça me paraît un peu forcé. Je pense également qu'au lendemain des attentats, il y en a plusieurs qui ont senti la soupe chaude parce qu'il y avait eu plusieurs alertes qui avaient été données aux services de renseignement américains qu'il y avait une attaque terroriste qui se préparait sur les États-Unis. Mm-hmm. Et plusieurs d'entre eux, l'information leur est passée entre les mains et ils n'ont rien fait. Alors évidemment, au lendemain des attentats, ils ont voulu protéger leur job. Fait que j'imagine que des coups de téléphone, des comptes rendus de coups de téléphone qui ont disparu, quelques petits documents qui ont été passés sous silence, Ça, c'est de la petite politique aérienne, hein? Tu veux sauver ta job, tu veux sauver tes fesses, etc. Entre ça, qui est certainement la réalité, et l'idée
qu'une triade juive accompagnée des Illuminati et des services secrets américains aurait volontairement fait 3000 victimes en détruisant les tours du World Trade Center, aurait créé un personnage fictif qui serait Oussama Ben Laden, aurait été posé des bombes le jour dans le World Trade Center. Tout ça, là, ça, c'est du délire. Effectivement. Tu sais, je comprends, entre des petites affaires à gauche pas à droite, et le délire total, ben là, écoute, là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Quand on en est rendu à dire que les avions qui ont frappé le World Trade Center étaient des avions hologrammes, qu'il n'y a jamais d'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie, et que l'avion lancé sur le il n'y a pas eu d'avion lancé sur le Pentagone, mais que c'était un missile, alors que t'as des centaines de témoins qui ont vu l'avion frapper le Pentagone. Il y avait les gens qui étaient dans l'avion en Pennsylvanie, là, il y avait des familles là-dedans, là, tu sais, il y avait des épouses, des pères, des enfants de personnes. Ouais. Tu sais, il y a des familles impliquées, c'est pas... C'est comme des aberrations. Tu dis, mais mon Dieu, ces gens-là, il n'y a pas cinq scènes de jugeote là-dedans. Là. Et ensuite de ça, de toi à moi, si on regarde dans l'histoire des États-Unis, on essaie de comprendre la motivation. Pourquoi, jouons le jeu des conspirationnistes, si les autorités américaines auraient volontairement, c'est gros là, auraient volontairement détruit les tours du World Trade Center, nuit à leur économie, et avec tout ce que ça a entraîné, là, on sait, la construction d'un autre tour, tout ce que... regarde comment les systèmes de transport, l'aviation est devenu maintenant paralysé, une machine lourde depuis le World Trade Center. Les Américains auraient tous volontairement fait ça. C'est comme une aberration. Et on se dit, mais pourquoi ultimement faire ça? Ben, pour sauver des puits de pétrole, pour faire une guerre aux terroristes... Ben, si on regarde dans l'histoire des États-Unis, il a fallu simplement qu'à un moment donné, le père Bush dise on a eu des informations comme de quoi où, Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, et uniquement sur la rumeur de ça, ça a été suffisant pour envahir l'Irak. Tu comprends-tu? Ouais. Il n'était pas nécessaire de détruire les tours du World Trade Center si tu voulais faire une guerre à Al-Qaïda. Ah ouais, puis ça impliquerait tellement de gens dans ce coup-là. Je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais eu l'intention de tuer personne. Puis si jamais quelqu'un me propose de mettre des bombes à un endroit dans l'espoir de tuer 3000, 5000, 10000, 15000 personnes, excuse-moi, mais moi, c'est important de bien dormir le soir. Jamais j'accepterais ça. Des gens de ta propre communauté. Ben oui. Ce sont des Américains qui tuent des Américains. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un scénario qui est comme invraisemblable. Et le scénario, en fait, tu te dis, mais ce scénario-là tient à quoi, finalement? Il tient à des experts de comment je pourrais dire, des gérants d'estrade. C'est pas dur. Là, t'as un gars qui s'improvise soudainement. Lui, il est comme un expert en bâtiment, là. Lui, il a regardé des vidéos du World Trade Center, puis selon lui, là, il s'est levé un matin, il a regardé son urine, il s'est mouillé le bout du doigt, puis il est sorti dehors, puis il s'est dit, moi, d'après moi, là, d'après moi, un building, ça tombe pas comme ça. Ouais. Il faut vraiment, là, il faut vraiment regarder quelles ont été les commissions. D'abord, prendre connaissance du document officiel de la commission d'enquête, qu'est-ce qu'on en sait sur les matériaux. Et il faut savoir que de métal, par exemple, les poutres d'acier qui supportaient le World Trade Center, c'est vrai que ce métal va se briser, se fendiller à partir de 2000 degrés. La température du kérosène qui était à bord des avions n'a pas monté la température interne à plus de 1200 degrés. En théorie, donc, les théoriciens du complot vont dire la température n'était pas assez élevée pour que le bâtiment s'effondre. C'est pas tout à fait vrai. En fait, à partir de 800 degrés, l'acier n'a plus de force. Donc, toi, là, on faisait chauffer une barre d'acier à 800 degrés, en appuyant avec ton index, tu vas la crochir. Tu comprends? Oui. Donc, à partir de là, même si la poutre d'acier ne brisait pas, la poutre d'acier n'était plus capable de supporter le poids. Et c'est pour ça que la tour s'est effondrée comme un château de cartes. Toujours très intéressant. All right, on passe au prochain sujet. Une légende dans l'univers de la cryptozoologie est malheureusement décédée. Oui, c'est John Green. Écoute, la cryptozoologie, c'est l'étude des bêtes inconnues de la science. Donc là, à ce moment-là, ça serait le moment d'entendre comme un criquet. Tu sais, parce que pensons-y un peu, l'étude des animaux inconnus de la science. Ouais. Mais comme un paradoxe un peu ici, mais bon, passons sur cette idée-là. Effectivement, John Green, écoute, c'est un Canadien. Ouais. Il est né à Vancouver en 1927. Il est décédé, dis-je, le 28 mai dernier. Il est âgé de 89 ans à Chilliwack.
Et ce type-là est devenu une légende, et je t'explique un peu pourquoi. Hein. D'abord, journaliste, il a contribué à plusieurs journaux sur la côte ouest américaine, et à partir des années 50, on commençait à circuler ces fameux récits d'hominidés inconnus. Hein, des gens disaient, bon, on est allé en forêt, on a vu des créatures ou une créature, 2 mètres, 2 mètres 50, le corps couvert de poils. Bon, et rapidement, les Américains ont baptisé cette créature le Bigfoot. Au Canada, on l'a appelé le Sasquatch. Et au début, bien sûr, ces récits étaient véhiculés, colportés comme des sortes de légendes. Mais à la fin des années 50, ce fameux John Green, qui s'était porté acquéreur d'un petit journal dans la région de Harrison Hot Spring, en Colombie-Britannique, a commencé à s'intéresser à ces histoires. Au début, il était très sceptique et son idée était de publier une série d'articles pour démontrer le non-sens de tout ça. Et puis, peu à peu, il s'est pris dans le jeu. Il est devenu persuadé que ces créatures, le Sasquatch, le Bigfoot, étaient bel et bien réelles et il va consacrer le reste de sa vie à essayer de prouver l'existence de ces mystérieuses créatures. Et évidemment, il va jouer des rôles très importants. Dans les années 60, par exemple, peu de gens savent qu'en 1961, par exemple, un milliardaire américain du nom de Tom Slick, qui avait fait fortune dans le domaine dans l'industrie pétrolifère, a financé une grande battue dans les forêts de la Colombie-Britannique dans le but de retrouver ou de dénicher l'un de ces mystérieux Sasquatch. Et cette expédition menée en forêt avait été orchestrée, financée par Tom Slick, mais orchestrée par John Green directement sur le terrain. Donc Green a participé à ça. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les Sasquatch, le Bigfoot. En fait, il est devenu une référence. Mais malheureusement, même s'il a passé toute sa vie à essayer de prouver l'existence de la bête, il n'y a pas réussi. Mais son nom est définitivement associé aujourd'hui à ces histoires de Bigfoot et de Sasquatch. Et c'est sûr qu'avec le décès de John Green, c'est toute une époque de cette époque, disons, très héroïque de la recherche de cette créature mystérieuse qui est le Bigfoot. C'est pas lui qui était derrière la vidéo où on voit un Bigfoot marcher au loin, là. Ah, tu vois, il a joué un rôle quand même important là-dedans. Ce fameux film dont tu parles, ouais, est un film remarquable, à la fois torpillé par les sceptiques, porté au nu par les croyants. On pourrait pratiquement faire une émission complète sur cette histoire de film. Mais disons que le film a été tourné en octobre 1967. Il a été tourné par un type du nord de la Californie qui s'appelle Roger Patterson. Et le film a été tourné dans le nord de la Californie, à Bluff Creek. Et c'est un type, Roger Patterson, qui lui venait de l'État de Washington, qui a filmé la chose. Et au moment où le film a été tourné, il y a peu d'intérêt qui a été montré de la part des académiciens américains. Hein. Patterson arrive avec son film, j'ai filmé un Sasquatch, et il y a peu de gens aux États-Unis qui semblent intéressés par l'affaire. Avant même de regarder les images, on conclut qu'il s'agit sans aucun doute d'une fraude. Et finalement, cette histoire-là va arriver aux oreilles de notre fameux John Green, et Green va être le premier à organiser une présentation. Ça se passe à l'Université de Vancouver. Il est le premier à organiser une présentation devant des gens de la communauté scientifique de ce fameux film en octobre 1967, qui vont regarder le film. Ça les impressionnera pas. Certains vont sortir de là avec quelques commentaires polis en disant c'est intéressant, mais ça va pas plus loin. Mais enfin, John Green a été l'un des gens qui a essayé le plus d'intéresser la communauté scientifique à ce film, même si encore aujourd'hui, on est 35 ans, 40 ans après, le film demeure toujours l'objet d'une controverse. Christian, prochain sujet. T'as été à New York il y a de ça quelques semaines, hein? Oui, c'est ça. J'étais à Amityville. À Amityville, t'aurais pu faire une bonne affaire. T'aurais pu acheter une maison quand même assez populaire. Ben oui, voilà, c'est la maison, si les gens s'y intéressent, oui, bien sûr, on parle de cette fameuse maison d'Amityville, le 112 Ocean Avenue, qui est devenu maintenant le 108, on a changé l'adresse civique, mais à l'époque, c'était le 112 Ocean Avenue, c'est cette fameuse maison où, et là, on pourrait faire, là aussi, une émission complète sur cette histoire, ça ferait frémir Laurence. Effectivement, en 1974, le 13 novembre 1974, un jeune homme, 23 ans, Ronald DeFeo, au milieu de la nuit, 3 heures du matin, armé d'une carabine Marlin de calibre 35, va abattre les 6 membres de sa famille, donc son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs.
Ensuite, il va être arrêté, accusé de ces 6 homicides, et il va être condamné à 150 ans de pénitencier pour ses crimes. Il va prétendre durant son procès qu'il entendait parfois des voix, que quand il avait commencé à tirer sur sa famille, il avait l'impression qu'il était plus tout à fait lui-même. Certains vont même jusqu'à évoquer la possibilité que Ronald DeFeo était peut-être possédé au moment de commettre ses crimes. Et puis la maison va demeurer vacante jusqu'en décembre 1975. Là, une famille, les Lutz, vont acheter la résidence. Les Lutz ont 3 enfants. Ils y emménagent dès décembre 1975. Ils vont y vivre pendant 28 jours. Et au cours de ces 28 jours, ils vont dire avoir été témoins de toutes sortes de phénomènes tout à fait terrifiants. Et leur récit va faire l'objet d'un ouvrage qui paraît 2 ans plus tard sous le titre de Amityville, la maison du diable. Et là, l'histoire est lancée. On connaît maintenant toutes les suites des films qui ont été faits autour de cette histoire. Tout ça pour dire que la maison, après que les Lutz aient eu acheté la maison, la résidence, après, ils ont resté là 28 jours, qu'ils ont quitté les lieux. La maison a été revendue ensuite et achetée par une famille, les Cromarty. Et depuis, la maison a changé à plusieurs reprises de propriétaire. Et aujourd'hui, donc, les derniers propriétaires en lice, les D'Antonio, qui avaient acheté la résidence en 2010 pour la somme de 950 000 $, donc ont décidé de se départir à nouveau de la maison. Elle vient de retrouver sa place sur le marché de l'immobilier. Alors, avis aux intéressés, les D'Antonio demandent 100 000 $ de moins que le prix acheté. Donc, ils demandent 850 000 $ US. En argent canadien, ça représente 1 150 000 $, donc avis aux intéressés. C'est un endroit qui est tout à fait magnifique, mais il faut s'attendre que si vous devenez acquéreur de la résidence, vous devez vous prémunir contre les visiteurs, parce que c'est un peu aberrant. Il y a toute une sorte de, tu comprends, une sorte de tourisme qui s'est développé autour de cette maison. Ouais. Et il y a continuellement des gens qui vont là, prennent des photos. Ça agace beaucoup les gens de la municipalité. Mais en même temps, moi, je trouve ça un peu étrange que les gens soient aussi, parce que quand j'y étais, là, et je parle en connaissance de cause, j'y étais, comme tu dis, il y a 3 semaines, et quand j'étais devant la maison et on filmait, les gens passaient, puis on nous criait des bêtises, littéralement, là, tu sais, parce qu'on était là à filmer la maison. Je comprends que les gens puissent être un peu agacés par ça. Mais en même temps, faut pas se le cacher, c'est l'une des 5 maisons les plus connues au monde. Hein? C'est-à-dire, tout le monde reconnaît ses formes. Dès qu'on voit l'image de cette maison d'Amityville, ouais, avec sa mansarde, sa grande cheminée et ses fenêtres en quart de lune là, qui font un peu comme des yeux de chaque côté de la maison, je veux dire, c'est une image qui est connue de tout le monde. Et les grandes maisons célèbres aux États-Unis, bien, il y a la Maison Blanche, il y a Graceland d'Elvis Presley, la maison d'Amityville. Donc, tu sais, je m'étonne toujours un peu. Je me dis, ouais, mais tu sais, si t'es pas prêt à accepter qu'il va y avoir des gens qui vont venir dans la rue prendre des photos de ta maison, c'est un peu comme si t'achetais Graceland puis tu t'étonnais qu'un matin, en sortant dehors, il y a des fans d'Elvis qui soient devant la maison à prendre des photos. Effectivement. Achète pas en maison dans ce cas-là, va acheter quelque chose d'autre. Si t'achètes la maison d'Amityville, faut que tu sois magnanime et que t'acceptes que des gens vont venir là pour prendre la photo. C'est une des maisons les plus célèbres des États-Unis. Donc, voilà, la maison est sur le marché, donc, pour 850 000 $. C'est un endroit très bucolique, très, très beau, c'est merveilleux, mais il faudra vivre avec le lourd passé de la maison. Mais toi et moi, là, si on investit un peu, on pourrait pas louer cette maison-là, là, en remettre tous les trucs en place, puis faire un peu d'Airbnb, puis devenir millionnaire, toi et moi? Oui, je pense qu'il y aurait quand même une démarche à faire là-dessus. Ben oui. Mais je veux quand même te mentionner que cette maison, qui a été construite en 1924, ouais, a eu, comme je l'ai mentionné, plusieurs propriétaires, et de tous ces propriétaires, mis à part les meurtres de la famille DeFeo en 1974, les seuls à avoir jamais rapporté des événements à caractère surnaturel, c'est la famille Lutz. Donc, les familles qui ont suivi, immédiatement après, ce sont les Cromarty qui sont devenus propriétaires de la maison. Ils ont vendu plus tard, en 87, à la famille O'Neill. En 10 ans plus tard, c'est un type qui s'appelle Brian Wilson qui a acheté la maison. Rien à voir avec le batteur des Bee Gees Boys, là, c'est simplement un homonyme ici. Donc, Brian Wilson achète la maison en 97 et les D'Antonio l'achètent à leur tour en 2010. Et aucune de ces familles n'a jamais rapporté la moindre manifestation de type surnaturel à l'intérieur de la maison, ce qui a amené beaucoup de gens à conclure que toute cette histoire d'Amityville pourrait peut-être être une fraude.
Moi, je mets quand même un petit bémol là-dessus. J'ai trouvé certains documents qui sont fort intéressants, qui me permettent de, en tout cas, qui me fait osciller entre l'absolue fraude et la possibilité d'une certaine hantise. Mais bon, je reste réservé. Dernier sujet, mon cher Christian, tu nous parles d'une découverte à Petra. Oui. Écoute, on va faire ça vite, mais c'est pas vraiment dans le domaine du mystérieux, mais c'est toujours fascinant de voir comment de nouvelles technologies sont récupérées pour faire de la recherche scientifique. Et là, ce qui se passe, on est à Petra. Pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce Petra, c'est une ville antique et qui a été rendue célèbre par le film Indiana Jones et la dernière croisade. Vous vous rappelez sans doute ce temple qui était comme construit à même une muraille de pierre à l'intérieur de laquelle ont été tournées les dernières séquences. Lorsque Indiana Jones trouve finalement le Saint Graal, ça se passe dans le grand monastère de Petra. Donc, cette ville a été construite, elle date à peu près de 2300 ans, elle a été occupée jusque vers l'an 800, et ensuite elle a été complètement abandonnée. Elle est demeurée pendant à peu près 1000 ans, inconnue. Hein, elle s'est réensablée, et en 1812, on a redécouvert Petra. Et là, voilà que, évidemment, il y a des travaux archéologiques qui sont menés à l'endroit en question, et en 2007, cette cité de Petra, qui se trouve dans le sud de la Jordanie, a été nommée l'une des 7 merveilles du monde, parce qu'il faut savoir que les 7 premières merveilles du monde ont toutes été détruites, il n'en reste qu'une seule, qui sont les grandes pyramides d'Égypte. Donc l'UNESCO, en 2007, a comme lancé un concours, si on avait à choisir dans les grandes merveilles antiques, 7 nouvelles merveilles du monde, et Petra a été nommée l'une d'entre elles. Et là, voilà qu'en utilisant des images satellites et des drones, des archéologues ont découvert une structure qui se trouve à peu près à 800 mètres du monastère où on a tourné Indiana Jones. Et là, on a trouvé une grande structure ensablée qui est à peu près la taille de 2 piscines olympiques. Et cette grande plateforme semble surmontée d'une plus petite plateforme avec des escaliers qui mènent à son sommet. Et là, les archéologues sont persuadés qu'il devait s'agir d'un centre cérémonial. Mais évidemment, tout ça est en dessous du sable. Il faudra des mois et des mois de travail pour désensabler ces structures et voir de quoi il s'agit. Mais c'est fascinant de voir qu'on applique des technologies tout à fait nouvelles, qui sont les drones et les photographies par satellite à très, très haute résolution pour faire des découvertes archéologiques tout à fait stupéfiantes. Christian Page, toujours très intéressant. Ça me fait plaisir, Yannick. Ça se peut que je te lâche quelques coups de fil durant l'été pour qu'on puisse se parler sur l'heure du midi. Ben, y a pas de problème, je serai toujours là. Passe une belle soirée. Merci. Merci beaucoup pour la belle saison en passant. Puis les auditeurs ont très, très, très apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Bye bye. Christian Page, reporter, enquêteur du paranormal qui nous apporte toujours des histoires intéressantes puis qui nous laisse un peu, tu sais comment ça s'appelle là, tu sais quand ton les poil frissons, là. Ouais, quand ton poil la chair enlève de poule. Un peu la chair de poule tout ça. Ouais, je sais. La maison là. Amityville. L'achèterais-tu? Ben, je veux dire, moi je vois l'aspect commercial à tout ça. Entrepreneur. Cette maison là, il y a toujours des gens qui passent devant. Combien de personnes aimeraient la visiter parce qu'on a tous vu le film Amityville. Est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Loue ça une fois quand tu seras tout seul, va-t'en dans ton sous-sol. Tout seul? Ouais, écoute-le avec des crottes au fromage. Puis je te garantis que tu vas avoir la peur de ta vie. Je vais inviter quelques amis. C'est un très bon film. Puis c'est ça, je veux dire, l'aspect commercial, je le vois. T'sais, tu loues une nuit dans cette maison-là, il y a des gens qui seraient prêts à payer une fortune. Là. Oui, effectivement, le 850 000 US est très, très impressionnant. Puis ça prend un peu plus d'un million canadien. Ça prend des bons banquiers pour te passer cette somme-là, surtout quand t'as pas ta mise de fonds de base. Mais il reste qu'il y a un aspect commercial à tout ça. Puis curieusement, les gens qui ont acheté la maison depuis que ça s'est passé, ben ils ont jamais fait de sous avec ça. C'est particulier. Hein? Ben, ils doivent pas y penser. Ben, ouais, non. C'est les Américains. Ils l'ont l'affaire, les Américains.